On s'est mobilisés pendant des mois contre la réforme des retraites, en tant que travailleuses et en tant que LGBTI. Nous, les LGBTI, nous faisons partie des populations les plus touchées par cette réforme. Nous sommes pour beaucoup exclus du marché de l'emploi et davantage encore touchés par la précarité. Nous avons eu des carrières hachées. Et nous aurons des retraites pourries. Combiné aux attaques contre l'assurance chômage, contre les bénéficiaires du RSA ou à la loi Casbarian, la politique de Macron a dégradé nos conditions de vie. Mais il a également renforcé son tournant autoritaire et raciste. On pense par exemple à la loi séparatisme, aux dissolutions d'associations antiracistes, à la répression sauvage des manifs et blocages et à la politique anti-immigration de l'abjecte Darmanin. Avec cette politique, Macron légitime l'extrême droite et déroule un tapis rouge pour Le Pen en 2027. L'extrême droite est raciste, sexiste et LGBTI-phobe. L'extrême droite est raciste, sexiste et LGBTI-phobe. Partout dans le monde, elle mène une politique hostile aux personnes LGBTI. Aux États-Unis, des centaines de lois sont votées pour bloquer les transitions, retirer la garde d'enfants trans aux parents qui les soutiennent, interdire de parler d'homosexualité ou de transidentité à l'école. En France, des centres LGBTI sont dégradés et attaqués à l'explosive comme à Tours. Des militants anti-trans font du lobbying dans les institutions et sont accueillis à bras ouverts par Renaissance. Des drag shows sont menacés par les fachos. Et pendant ce temps, comme à chaque mois de juin, les entreprises capitalistes nous font croire qu'elles sont de notre côté. Partout, on voit des pubs et des produits décorés d'arc-en-ciel. Nous ne sommes pas dupes. Le capitalisme et le patriarcat, main dans la main, nous exploitent et nous oppriment. Pour toutes ces raisons. Les personnes LGBTI doivent reprendre la rue lors des Prides. Mais un seul mois de lutte ne suffira pas. Nous avons besoin de reconstruire un mouvement LGBTI fort qui se lie au mouvement féministe, antiraciste, écologiste, au mouvement ouvrier. Nous avons besoin d'un mouvement d'ensemble qui stoppe les attaques, qui bloque l'extrême droite, qui dégage le gouvernement pour en finir avec le capitalisme. En attendant, mobilisation générale pour les Prides. Mobilisation générale pour les Prides.